Et plop les gens, bienvenue de retour dans The Arpillion. Donc on en était là. On avait réussi à faire les terres du géant. On avait tenté le Cap Tempête qui s'était plutôt bien passé, mais la vague finale était énorme. Et je pense qu'elle est suffisamment énorme pour qu'on ait besoin des armes mécanisées. Parce que ça attire des grosses flèches qui font des dégâts à plusieurs ennemis. Donc, c'est très puissant et je pense qu'on en a besoin. Du coup, je pense que ça sera aussi très pratique d'avoir le stockage mécanisé parce que les entrepôts, on gagnait genre 100 de bois par cycle et on était à zéro. Pof, on débordait de ressources de bois, quoi. Tellement on en avait. Et du coup, si j'avais pu mettre quelques entrepôts, déjà ça aurait produit un petit peu plus et j'aurais pu stocker 2-3 fois plus de chaque ressource. Et du coup, ne pas récolter plus que ce que je peux stocker. Donc voilà, le Cap Tempête, je pense que j'ai besoin de ces deux recherches-là. Les barricades n'ont pas été très très efficaces. Contrairement à ce que je pensais. Ou alors j'aurais peut-être dû en mettre beaucoup plus ou quoi. Et ce que je viens de calculer, c'est que 140 plus 120, ça fait 260. Et du coup, 80 plus 180, ça fait aussi 260. Donc j'ai besoin de garder mes 80 de technologie si je veux avoir les deux recherches, les deux technologies pour faire le Cap Tempête. Sinon il va falloir que j'aille faire le lac gelé qui est une mission de niveau 3 et qui est gardée par une horde d'infectés avec 3000 infectés plutôt rapides. Donc pas pour tout de suite. Donc on va bourriner un peu le Cap Tempête. Voilà tout ça pour ça. Oui. Non, on va brûler le col étroit. Je crois que j'ai dit qu'on va brûler le Cap Tempête. Donc on va voir si on y arrive. C'est bien ça, c'est patrouillé. J'ai regardé quelques streams et un gars qui en particulier fait beaucoup de patrouilles, donc on va voir. Hein. J'ai l'impression que c'est pour faire avancer. Je sais pas trop. Hop. C'est pour faire avancer son. Ces soldats, mais je sais pas pourquoi il fait patrouiller plutôt que attaquer en avançant. Potentiellement juste quand il, si jamais il les oublie suffisamment longtemps, bah il bouge quand même et il se fait pas attaquer dans le dos. Je ne sais pas trop. Nourriture, hop. Toi, c'est bon. Est-ce que je peux mettre d'autres maisons? Non, je peux pas. Ah oui, les cabanes de pêche. J'avais oublié qu'on avait de la pêche ici. Alors que, bah, on est. Non!
mon chat qui veut aller sur la multiprise. Parce que c'est derrière le PC, du coup c'est un endroit confiné. Et en tant que bonne rate, elle adore ça. Les endroits confinés. Alors là, là, il y avait, je crois qu'il n'y avait pas vraiment mieux que 12, donc autant se mettre le plus proche possible. Il me faut... Ah, il faut de l'or, mince. Voilà, on va devoir... ici c'est bon, non je crois que c'est pas bon. Ah je vais pas pouvoir avoir des deux côtés. C'est pas grave, on va se mettre là. Alors 9, 6... ouais, je crois que je prends le 9 d'habitude, et ici j'aurais pu prendre le 10 plutôt, c'est pas grave. À un près, sachant que le train nous donne beaucoup de poids, ça va le faire. Pour ça, il faut du bois et de l'or. Beaucoup de bois, il faut 32 bois, ah oui. Non, faut attendre les 32 bois, je pense. On va attendre le prochain train. Quoique non. On va doubler notre production d'or plutôt. De bois. Parce que le bois, on en a besoin. Et on a aussi besoin de masse d'habitation. Qui nous produisent de l'or, donc va bien. J'ai oublié ça. Vous étiez qui les plus dangereux en priorité? Ça, je sais pas si les autres joueurs le font, mais ouais, ça me semble important. Là le train arrive, il va me donner mon bois. C'est ça, là je vais devoir attendre de voir une prochaine antenne Tesla pour pouvoir me mettre ici, c'est pas grave. J'ai plus aucune ressource, ça veut dire que je dépense bien ce que je récupère, c'est déjà pas mal. Our forces are in danger. Do you hear me?
Donc il devrait s'en sortir au moins un peu de temps. Qu'est-ce qu'on veut? Toujours s'étendre. Hein. Là où on est en train. Ici, je pense qu'on va mettre le portail là parce qu'on n'avait rien vu de plus bas que d'intéressant tout de suite. Là, est-ce qu'on peut... Il faut de la pierre. On va produire le maximum de pierres qu'on peut. Dès que possible. Ici, on va peut-être pas s'amuser à mettre des murs trop tôt non plus. Hop. Si on peut mettre deux maisons de mémoire, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Où est-ce qu'on met nos maisons? Là, peut-être. D'autres maisons, non. Ok, on peut pas... Pas beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a plus de nourriture, c'est bien ça. Donc des cabanes de pêche. Ici. Ici on peut pas encore. Donc là 17. 9. Et de ce côté là, 16, 15, 16, 16, hein. Oh punaise. Là j'ai assez de sous. Je sais plus si je le mettais là ou si je laissais la place. Je crois que je le mettais là en fait, là. Pour laisser la place pour l'atelier en bois ici. Et on peut peut-être mettre... Ce genre de ferme. Ouais. Comment on peut s'agrandir là? On peut rajouter des maisons.
Est-ce qu'on a la place de mettre... Ouais, là, on devrait avoir la place de mettre une... Une Siri. Je sais pas si ça sera entièrement nécessaire, mais... ce serait bien. Oh punaise. Oh c'est bon. J'ai cru qu'il y en avait plein qui couraient. Ici on va mettre notre mur là, donc on peut directement le payer je pense. On pourra mettre des tours derrière, mais je pense que c'est pas nécessaire tout de suite. Toi, tu peux peut-être avancer un peu encore. Là, est-ce qu'on... Je pense que je vais mettre le marché là et du coup des maisons ici. J'ai dit que je voulais des maisons là. Qu'est-ce qui manque? De l'énergie. Très bien. L'énergie. Mettre là. Pouvoir en faire. Là. Oui. Alors là. Je pense que c'est la ferme d'abord avant le chalet en fait. Ou voir le marché peut-être. Avant les deux. Là il me faut 400, 450. Sachant que je peux commencer à produire des archers, des rangers. Et mince. Non. Excusez-moi. Comme je disais, excusez-moi, la minette veut faire n'importe quoi. Marché, non, c'est peut-être vraiment les fermes en priorité. Pour avoir vraiment beaucoup de nourriture, quoique j'en ai pas mal. Et du coup, j'ai perdu la deuxième ranger qui était expérimentée pour pas grand-chose.
Je suis blindé de bois. Alors on peut faire le strict minimum, c'est-à-dire ça. J'ai pas mal d'or aussi, donc on va en profiter pour mettre des défenses. Il faut que je fasse des maisons. Faut que je trouve la place de faire des maisons. J'ai un petit peu d'énergie, donc c'est pas le plus urgent. Elles s'en sortent, elles s'en sortent. Le marché, est-ce qu'on peut pouvoir l'avoir? Oui, juste après. Est-ce qu'on peut construire? Non, c'est du bois et de l'or, ok. Et là, j'ai envie de m'étendre. Est-ce que j'ai envie d'avoir le plus, enfin le faire tout de suite, quoi, dès que possible. Tac, 19, c'est bien. Je sais pas si je mets une barrière là, un mur ici et peut-être un mur plus haut si jamais il faut. Je pense que ce serait le plus raisonnable de mettre des murs plus régulièrement. Tu peux peut-être juste te mettre ici. Toi, tu supportes, mais tu galères un peu. Hop là, non, ici. Et là, on aura fait toutes les technologies. Mais je me suis vachement ralenti. On peut avoir 50 et peut-être 52. Non, 42 et 52, là, c'est pas mal. On peut avoir un 15 ou un 13 de bois. On va prendre le 15. On va voir. Non, j'ai plus de bois.
peut-être un peu plus de murailles. Genre ici au moins ça sera fini. Non, c'est pas ça, c'est les murs que je veux là. Oh punaise, j'essaie de les pré-shot tous un coup. Pour que la ranger s'en sorte plus facilement, mais... Ça a l'air bon. Le jeu qui lag, au secours. Le jeu ou le PC. Le PC est en train de mourir. Au secours, est-ce que vous m'entendez toujours? Oh, je vois tout qui freeze. Oh, je vois tout qui freeze, au secours. C'est bon, ça défreeze? Le retour au BS a l'air de reprendre. On va dire que c'est bon. L2 sont en train d'aller là-bas. Ouais. Du coup, faudrait mettre un mur ici. Ça, il faut avancer. Ça. Il va falloir de l'énergie. Oh, je peux en faire un troisième. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, légit? Tac, tac. Lui, il a tout fait comme recherche. Il me faut du bois et des travailleurs. Donc, il me faut des travailleurs, c'est-à-dire qu'il me faut des maisons. Si j'avais dit peut-être que... Oh, 10. On va se mettre là. Non, on va pas se mettre là. Mal calculé. Si je me mets là, c'est bon. Vous allez vous mettre là. Vous allez faire des ressources. Vous allez retourner comme ça. Alors, vous. Est-ce que vous vous en sortez normalement? Oui. Avec le soldier niveau max, là, il devrait y avoir trop de soucis.
Il y a trop de monde. Alors vous vous cachez derrière les remparts. Ici d'ailleurs. Non, marché, marché, marché. Il manque des travailleurs. Marché, j'ai envie de le mettre là. Donc ça je peux plus le mettre ici. Ici c'est bon. Alors ici. On va mettre là. Oh punaise. Alors là, on a dit ici, ça serait cool, mais au moins il y a des gens. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, malgré les gens, c'est 5 ici. Ah, j'aurais du mal à en faire plus en fait. Ok, là je peux faire un 2, peut-être un 3. Je pourrais pas faire un 10 en tout cas. Ouais, je pourrais faire ce 3 ici et ce 5 là. Ce qui sera déjà énorme en fait. Ce qui est déjà pas mal. Ici, on va mettre une deuxième tour de défense parce que c'est notre dernier rempart. On peut pas mettre non plus rien trop là. Hop. Comme ça, ça fait un passage par ici. Mais on aimerait bien mettre un mur là-haut. En vérité. Il nous faut plus de travailleurs, mais on a des maisons qui sont déjà prêtes. Donc il nous faut le train. Hop, il nous faudrait le marchand pour avoir ses travailleurs aussi. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Ici. Et toi, tu vas venir aider. Et ici, ce serait bien qu'on puisse fermer là. Parce que ça nous donne un grand espace. Ok, ici il est en train de se réparer. Ah! Pas pratique ça. Les murs ici, très bien, mais il est en train de se reconstruire. Non, on va mettre. Le train est arrivé, il n'y a pas d'or. On va attendre un peu d'or. Voilà, il y a de l'or, on va mettre un marché. Un marché ici, puisque là, ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux, mais pas de beaucoup. Donc on le met là. On peut mettre une maison ici, on peut mettre pas grand-chose en fait.
Ouais, c'est quand même un bon tank le soldier. Oh punaise, par contre ça... Ça a l'air bon. Ici, il y en a au moins 3. On va leur dire d'avancer là. On dit qu'on va avancer ici aussi. Mettre une maison là. Là, je vais tout bloquer, donc on va peut-être mettre là. Ce sera pas au maximum pour ce truc-là, mais c'est pas grave. Toi, il faut quand même que tu produises des soldats. C'est juste qu'on n'a pas de thunes. Là, il faut arrêter les archères, faut commencer les vrais soldats. On a du fer. Il nous manque un peu d'or. Ah super. Alors ici on peut pas, on n'a pas de sous. Voilà, on peut, il y a des sous maintenant. Là. Ça se passe pas trop mal. Sachant que là, on va devoir mettre une bonne grosse protection rapidement. Parlant de bonne grosse protection rapidement, je pense qu'on peut commencer à mettre des... Les murs épais ici aussi. Ça ici, ouais. Oh, il y a des ressources ici. Ici, on avait dit qu'on devait avancer assez vite. Là, ça me paraît bien. On peut en amasse de bois. On va renforcer ici.
gonna pay me for this, right? Just guide me to the infected. Our soldiers are in trouble. No! Understood. Just tell me what to do. Boarding for duty, all the way. Our forces are in danger. Orders, sir. Aren't there other units to bother? Tell me. Understood. Units under attack. Commander? All the way. Building complete. Oh là là. Ici, elles sont toutes mortes, les Rangers. Ça. En fait, vous allez là. Vous allez commencer à remplir les tours. Ça va pas plus mal. Alors ici. Hop, on va mettre ça là. On va attendre d'avoir des thunes. Ici, comment tu t'en sors? Pas très très bien, ça va. Ah. Ah. Pas trop longtemps, ça ira. Alors, est-ce qu'on peut... Ah, on a des sous. Est-ce que je mets mon mur ici? Et est-ce qu'on peut mettre une ou deux tourelles au moins? Il faut quoi? Il faut de l'or, il faut du bois. Hein? Oh punaise, ils arrivent du sud. Et là, elles sont toutes mortes. Je pensais vraiment que ça serait toujours attaque du même côté et tout. Ok. Alors, de ce côté-là, c'est à peu près bon. Vous allez vous mettre là. Vous descendez. Vous descendez. Juste toi là, toi là. Ok, ça, ça me va encore. Et vous, vous allez... je sais pas si c'est à gauche ou à droite qu'il va falloir défendre le plus. Oh. Non. On est tous là. Et on a une qui vient là, une qui vient là. Ouh, j'ai pas sectionné. Vous allez là. J'ai pas... Si j'ai du bois. J'ai plus de bois. Vous, vous venez là. D'ailleurs, j'ai toujours pas de bois. 9. Ah, je pourrais atteindre du 10. Ouais, mais non.
pense que ça ne sera pas le même côté. Tac, tac, ici. Ouais, le 17 est bien. Là, j'ai un 14, là j'ai un 9, on va prendre le 14. Ici, je peux rien avoir. Ici, je pense pas. En fait, ça va, j'ai de l'avance en nourriture. Donc non, les missions sont pas entièrement déterminées. Oui, mais on s'en fout. Ouais, tu peux. Pense. Ok, ça a l'air d'être plutôt sud de ce côté. En vrai, voilà. Je fais ce que je peux, mais. Hop, hop. Ici vous pouvez monter là-dedans. Toi tu vises où? Tu vises là-haut. Non, c'est au sud qu'il faut viser. On va dire là, à côté du marché. Est-ce qu'on peut mettre des maisons d'ailleurs à côté du marché? Je sais plus, pas vraiment. Pas d'autres en tout cas. Là non plus, là je peux en mettre une. Oh, c'est bon. Alors ici on peut mettre des maisons d'ailleurs. Est-ce qu'on peut mettre un marché? Il faut 400 colons avant de pouvoir mettre un marché, d'accord. Mais là je peux mettre ma deuxième production de fer et remplir tout le reste de la zone en maison. Voilà, ici on peut en mettre deux. Faut pas oublier qu'on aura toujours besoin de pêcher, enfin de nourriture au moins. Ah, oh, je peux pas, ok. Donc là, on est relativement protégé. Au nord, il y a pas beaucoup de gens, mais il y a des défenses normalement suffisamment solides. Alors toi, tu vas venir ici parce qu'il y a vraiment pas soin de grand chose. Et vous aussi. À gauche, il n'y a vraiment pas grand chose comparé à ce qu'il y a à droite. Go punaise.
Est-ce que je peux mettre ça là? Non, ça c'est trop tard de toute façon. Oh punaise, la vague! Ici c'est hyper bien défendu parce que bah, y a quasiment personne. Pour une fois que j'ai des soldiers dans cette carte. Est-ce qu'on peut construire une autre caserne? Je pense qu'on n'aura jamais le temps de la construire puis de produire des unités, mais... En nombre en tout cas. Oh là là. Ouais, toi tu peux venir, mais tu veux pas servir à grand chose. Vous pouvez venir, mais pareil, vous êtes pas nombreux. Aïe aïe aïe. Même là, quoi. J'avais les soldiers, j'avais un mur assez épais. J'avais toute mon armée au même endroit. Franchement, je sais pas ce que j'aurais pu mieux faire. Bref. Sur ce, j'espère que cette... Bah, je sais plus combien tième, mais beaucoup trop défaite... va se marquer là. 9e défaite sur le col étroit vous aura plu. Je crois que vous avez pas tous eu, vous avez un peu de chance.